Olivia, mettez-la en cellule. D'accord, c'est bon. J'ai hypnotisé Ken quand il était sur la colline avec Isabelle, pour qu'il la tue. Après, je l'ai suivi dans les bois et je suis tombée sur Fiona et Megan. On a pour habitude de se retrouver dans les bois lorsqu'on se dispute avec nos parents. Mais j'ignorais qu'à ce moment précis, j'y étais. Alors je suis allée les voir en me disant que ça me ferait un bon alibi. En plus, je pouvais surveiller les faits et gestes de Ken. Ça ne m'arrangeait pas trop que Fiona découvre le corps car j'étais obligée de leur demander de partir pour m'occuper du cas d'Isabelle. Et j'avais peur qu'elle me balance hors de l'enquête. Vous n'aviez pas tort. Mais pourquoi avez-vous fait ça? Je n'ai jamais eu de succès auprès des filles. Donc j'en viens qu'à elle. Il avait toujours des milliers de filles à ses pieds, alors pour me venger, j'ai mis en point ce petit stratagème. Vous serez jugé prochainement.